Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo vous allez découvrir comment réaliser votre propre confiture de fraises que vous pourrez ainsi conserver au moins 2 ans. Je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, mais avant ça je voulais vous dire de rester jusqu'à la fin pour découvrir ma prochaine recette et surtout de vous abonner à la chaîne pour être certain de ne manquer aucune de mes vidéos. Pour la préparation de la confiture de fraises, pesez 500 g de fraises lavées et équeutées, 500 g de sucre, le jus d'un citron non traité, une casserole et un pot de confiture stérile. Mélangez le tout à l'aide d'une cuillère et laissez reposer 24 heures au réfrigérateur. Après les 24 heures passées, cuisez la confiture et comptez une bonne vingtaine de minutes après ébullition. Pour vérifier la cuisson, la confiture est prête lorsque la dernière goutte qui est sur votre cuillère reste figée à celle-ci. Vous pouvez bien sûr marier les fraises avec un autre fruit comme l'abricot, la rhubarbe ou encore avec un peu de menthe. Si vous utilisez de la menthe, incorporez-la lors de la cuisson afin d'éviter qu'elle ne s'infuse trop. Écumez ensuite le tout et gardez cette écume afin de l'utiliser pour réaliser un sorbet. Mixez le tout et versez la confiture chaude dans votre pot en verre stérile. Refermez-le correctement et retournez-le une minute afin de créer un vide d'air. Conservez-le ensuite dans un endroit frais et sec et à l'abri de la lumière. Vous pourrez ainsi la conserver au minimum 2 ans. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à la partager pour en faire profiter votre entourage. Je vous dis à samedi prochain et je vous laisse sans attendre découvrir ma prochaine recette.